Coucou! Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 de Mad Phaser. Je n'ai aucune envie de faire un résumé. D'ailleurs, regardez le chat. C'est le chat. Je rappelle que je l'ai pris que pour faire des vues. Mais non, je t'ai pas pris que pour faire des vues. Je crois qu'on peut commencer. Let's go! Bon, alors écoutez, je vais être parfaitement honnête, les 6 premières minutes qui vont se passer là, je les connais parce que j'ai fait une erreur dans l'enregistrement au niveau du son et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc du coup, on va faire ça façon speedrun. Je suis pas non plus allé très très loin. Donc alors tout ce qu'on va faire, c'est que bon, du coup, je vais pouvoir regarder un élément qui m'avait échappé, c'est que en haut, je crois qu'il va y avoir une âme qui va apparaître. Voilà, j'ai passé la porte. Voilà, il y a une poupée de merde là qui passe derrière les saucisses, donc voilà. Ce gamin là, il a faim. Voilà, so hungry, oh là là. Est-ce que tout va bien? Enfin, est-ce que ça va aller? Oui, ça sent juste comme la saucisse que j'aime. Bim, boum, il mange la saucisse. J'avais fait une vanne sur le fait que la saucisse était plus grande que sa tête. Mmm, c'est délicieux. Ça a le même goût que maman. Enfin là voilà, pareil, j'avais bugué pareil tout à l'heure, je sais pas si ça a le même goût que maman ou le même goût que les saucisses de maman. Mais je pense que c'est le même goût que les saucisses de maman. Bim bam boum, c'était pas si mauvais, ça dépassait, enfin ça, c'était pas trop dans les standards de maman, mais voilà. Je n'avais pas une seule bouchée à manger ici depuis que je suis enfermé, je mourais de faim. Enfin bref, tout ça disant que Maria elle devait apporter la bouffe et tout, la bouffe... lui il en avait pas, il était toujours rejeté, il était abandonné par les autres. Là il nous donne un napkin qui est une serviette. Donc c'est pour nous remercier de l'avoir donné à bouffer quoi concrètement. Et puis voilà, bim bam bim bim badaboum. Donc terminé. Là on a le napkin. Là bon j'ai tout exploré, y'a rien. Oh là là, ça ne va pas s'ouvrir. Oh non, pas toi. Bon là, faut spammer comme un fils de pute la putain de porte. Nickel. Parfait. Donc là, il y a Monsieur Chauve. Monsieur Chauve qui me dit que le passage était un peu encombré, alors il l'a nettoyé. Et là, en fait, j'étais resté bloqué là pendant un petit moment parce que... Bon, je pense que ça se voit, mais en gros, la salle, elle a besoin d'être remise un peu sur pied, quoi. Enfin, il faut que ce soit parfaitement symétrique, en gros. C'est-à-dire que, voilà, là-bas, vous voyez qu'il y a la tête de la fille. Là, il faut qu'il y ait la tête. Je sais pas, voilà, cette bonne sœur, je sais pas pourquoi elle a une lance. On va prendre la lance. Voilà, là, je sais, c'est pas très intéressant parce que je suis complètement... Enfin, je connais déjà, du coup. Mais c'est... De toute façon, je peux pas faire autrement. Je suis vraiment désolé, les copains. En haut... Elle, je vais la fumer. Voilà. J'ai mon application Sudoku qui me dit que je dois jouer. Hmm. Lui, il faut le pousser. Voilà. Bim badabim, bim badaboum, ils sont cool. Oul, oul. Hop, bouquet. La tête. Et attendez, parce qu'il y a un truc vraiment vicieux. Si vous voyez là cette petite craquure, il va falloir faire la même chose sur ce pilier. Bim badabim. Oh! Et la porte au milieu s'ouvre. Et à partir de là, je ne sais plus rien, je vous promets. Ça va être beaucoup plus tranquille à partir de maintenant. Donc, la pute. Bon, je peux sauvegarder de façon totalement aisée. Donc, bref. Alors, le Death Note. Pardon. Je suis né. Je suis né en faisant un câlin à ma mère. Je peux pas parler avec les trucs. La statue de la femme et le bébé. Statue. Sont allongés par terre. Il y a des bouteilles d'alcool. Nice. La flamme. Alors, une flamme froide, je sais pas, bloque le chemin. Oh non. Oh non.
Ok, je crois comprendre. En fait, en haut à droite, vous voyez pas parce qu'il y a ma sale gueule. Mais en gros, il y a un texte et je crois que dans chaque scène, il faut reproduire ce que dit le texte. Donc là, le bébé, il était par terre. Donc comme la mère, vous me direz, mais il était à côté du lit, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le lit. Ensuite, oula, j'ai tué un animal enfin, pour le fun et j'en suis devenu addict. Il y a toujours des chats morts et des oiseaux morts dans ma chambre. Maman s'énerve quand elle les trouve. Quand maman est dehors, je cache les corps dans son dresseur, dans son dressing. Ah, ok. Il faut. Du coup, là, il va falloir cacher les cadavres d'animaux. Ça me dégoûte, pêcheur. Beau petit chat. Je te ferai jamais ça. Jamais. Oui, non, jamais je te ferai ça. Voilà. C'est bon? Ah, et maman, faut la faire dégager. Salut, maman. Ok. Ah, mais c'est sympa en vrai. Hein. Dommage que c'est un format de merde, genre. Que c'est trop sur la gauche. J'aime pas. Ça me stresse. Alors, maman a découvert que je tuais des animaux. Maman m'a engueulé, scold. Attends, attends. Ouais, voilà, maman m'a grondé. Ta gueule. J'ai fait taire ma mère avec un couteau. Maman est tombée par terre, toute rouge. Et ensuite, elle faisait pas une tête très mignonne. Alors j'ai wipe, enfin il a essuyé il a essuyé la tête de sa mère et son visage mort était vraiment beau. Oh. Ta mère. Ok. Le garçon est couvert de sang. La mère est morte, donc il a nettoyé, mais il a dit qu'il a nettoyé. Ah, mais ouais, il faut nettoyer le visage. Voilà. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle a lâché par terre? Ah non, c'est le sang, c'est la serviette. Il faut la planter au visage. Ah non, il faut lui donner le couteau, je crois. Ouais. C'est dommage, ça m'aurait bien servi. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je pense que c'est l'histoire du père, hein, et que c'est pour ça qu'il s'est devenu un dangereux psychopathe. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? I would. Mother? J'ai eu peur et je me suis enfui très très loin, au-delà de l'océan, je crois. Je voulais tout oublier. Mais je ne pouvais pas oublier le précieux visage de ma mère morte. I fucked. Je sais pas ce que ça veut dire cette merde. I X-ed une autre. J'en suis devenu addict de voir le visage mort des gens. Le garçon porte une pickaxe regardant une fille. Et je fais quoi là? Bah ouais, mais je peux rien faire. Et je fais quoi, moi? Alors, j'ai. Je C'est horrible, mais c'est un fou furieux. Incroyable histoire. Par contre, attendez, parce que je pense que je vais rater des gemmes si je continue. Et si ça continue comme ça, que je continue d'avancer, je vais arriver à un point où je vais pas pouvoir avoir la fin. Ouais, avoir la fin que je veux là où il y a la fin incroyable.
Et ça va me faire chier. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer les gemmes. Même si je dois aller chercher sur internet, vous allez rien faire de toute façon. Ouais, je vais aller récupérer les gemmes. Donc, à toutes. Non! Aya, n'y va pas. Oh, attends, on avait raté un flashback. C'est un honneur de d'être autorisé à rester et travailler ici. Pas besoin d'être aussi formel. Tu vis ici après tout. Sens-toi libre de te sentir ici avec ta famille. Non, je ne pourrai pas. S'il te plaît, ne sois pas si modeste. Ça a été dur depuis que ta famille est morte, c'est pas vrai? Oui. Ben oui, mais... I recall you saying... Je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais une sœur, non? Attends, Snowball. T'es chiche. Toujours en train de courir partout, mes couilles. Enfin, il court le lapin, quoi. C'est un lapin. Cette fille, c'est ma sœur. Ma fille. Ce qui fait d'elle ta nouvelle petite sœur. Ma nouvelle sœur. Son nom, c'est Aya. Je vais vous faire rencontrer tous les deux après. Elle peut être terriblement timide. Alors, elle devrait pas trop te faire attention à toi, mais... Sois sympa avec elle, oui. Une nouvelle sœur. Qu'est-ce que c'est idiot. Comme si quelqu'un pouvait la remplacer. Sa sœur, elle chantait, pas vrai. Sourire. Tu vas attraper froid ici. Maman, je t'aime. Oh. Tu sais, ça me rappelle, je crois. Tis take me back. Je pense que tu es un petit peu comme ma sœur. Elle a raison. Elle était juste là, mais je l'ai laissée mourir. Moi, j'ai survécu. Je suis désolé. Non, maman, pars pas. Tu as perdu quelqu'un de précieux aussi, Aya. Tu dois laisser partir et avancer. Il n'y a pas besoin d'un remplacement. Mais quand je vois ton innocence, ça me donne envie de te protéger. Je vais continuer à te protéger, toi et ta famille, Aya. Tu peux compter sur ça. Waouh. Ne bouge pas. Ah, c'est terrible. Bon, ben, devinez quoi, je peux pas aller chercher les gemmes. Non, par contre, plus sérieusement, j'aimerais vraiment pouvoir revenir en arrière, parce que si je dois refaire le jeu parce qu'il me manque une gemme, chiant. Surtout que jusqu'ici, je les ai tous eu. Oh, l'enculé. Un QTE. Mais attends, mais elle saute ça à cloche-pied comme si c'était rien. C'est une putain de blague. C'est une putain de moitié de tête découpée. Oh. Oh là. Tue-moi. Oh putain. Oh, ce zoom scandaleux. Oh. Son bruit, il est horrible. Attends, je vais augmenter le son pour que vous puissiez l'entendre comme moi je l'entends. Ça fait mal. Alors tue-moi. Non, non, tue-moi, juste tue-moi. Non, recule. Tue-moi. Oh, c'est moche. Ah. Enfin. Rest. Ah, repos, je crois que c'est. Ouais, parce que ça vient de rest in peace in English. Alors, repos, repose. Ça m'a dégoûté, ça m'a. Oh, j'ai des frissons.
je ne peux pas bouger mes jambes encore plus. Je dois aller sauver papa. Pas. Waouh. Par contre, c'est vrai qu'il est grand, le manoir. Oh, monsieur Chauve. Monsieur Chauve, non. À ta limite, pas vrai? Tu devrais te reposer un peu. J'aimerais qu'il me ramène dans mon lit. Parce que du coup, je pourrais aller récupérer la gemme. Et ça me fait vraiment plaisir. Oh, encore un flashback, putain, mais j'en ai ras le cul. Non, en vrai, c'est bien les flashbacks, c'est rigolo. Oh putain, les tétés! Viens ici, Aya. Maman, tu es chaude? Warm, je sais pas. Ouais, je pense que c'est chaud. Ferme tes yeux, Aya. Maybe you. May you smile, souris, ta mère la pute. Maman, qu'est-ce que c'était que ça? Un charme de bonne chance. Qu'est-ce que c'est un charme? J'étais charmé, enfin, je crois que c'est genre un sort pour que tu sois toujours heureuse à partir de maintenant. Waouh, je t'aime, maman. Incroyable ce charme, j'aimerais bien l'avoir aussi parce que je suis en dépression. Maman, tu sens bon. C'est le parfum que maman portait toujours. Hey, casse-toi. Hic. Elle fait peur. Je peux sentir le parfum de maman. Pourquoi tu sens comme maman? Oh, conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est le parfum de maman. Impossible. Comment tu l'as eu? Enfin, quand est-ce que... Rends-le-moi. C'est un souvenir de ma mère. Oh la pute. Il y a un chien. Un paillet. Il y a un trou là, je peux rien faire. Oh allez, le chien empaillé qui rigole. On va se calmer. Ah ouais, il m'a pas emmené très loin, monsieur Chauve. C'est fermé. Oh, l'ambiance est lugubre. J'ai une éclairouille. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon instinct de survie, il m'a dit d'aller en haut, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y avait autant de rats? Pourquoi on m'attaque? En fait, je suis la pute à tout le monde dans ce putain de manoir. Ouvert la serrure, yes. Je suis incroyable. Ah, c'est elle qui dompte les rats. Come here. C'est ok. N'aie pas peur. Au revoir, le rat. Je suppose que ce parfum n'est pas bon. Les animaux ont l'air de le détester. Rends-moi le parfum de maman. Qu'est-ce qui est si drôle? Hein? Tu ne l'as pas? Où est-ce que tu l'as mis? Je sais pas. Pourquoi tu ne le cherches pas? Oh la pute. What was with her? Qu'est-ce qu'elle a? Un truc comme ça, je crois qu'elle a dit. Au revoir le rat. Faut pousser. Et ça, faut casser. Voilà! Le parfum. Putain, elle a quand même barricadé le parfum avec des planches. Il est là, le parfum de maman. Dieu merci. Oh. Hé! Mais c'est quoi? Mais c'est un truc de fou quand même. Je me fais attaquer à chaque occasion. Est-ce qu'il a arrêté? Quelle bonne idée de revenir. Oh! Un poupi! Petit chien! Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a un message écrit avec du sang. Tu as dit que je serais de la famille, tu as menti. C'est le garçon qui a écrit ça? Attends, 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 attends. Parce que là, il y a toujours les rats, je vais me faire fumer, c'est sûr. Oh, et on dirait que les animaux n'aiment pas. Eh ben, let's go. Je peux faire un truc? Yes. Juste un petit peu, d'accord, maman? Tu t'es parfumé. Voilà.
Oh yes, putain, un génie. Je suis trop intelligent. Petit rôle là. Oh, une nonne. C'est jamais bon signe, une nonne. Elle a vomi du sang, putain. Ouais, c'est jamais c'est jamais bon. La porte est fermement fermée. Oh, que c'est beau! Ah, c'est bon. Je trouve ça beau, moi. Oh, c'est beau. C'est vraiment pas beau. Quoi que vous fassiez dans la vie, les gens, ne vous suicidez pas. Pensez à vos proches. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas cool de faire une tentative de suicide. C'est pas cool de réaliser un suicide. Et c'est surtout très égoïste. Et il vous reste beaucoup de choses à vivre avant de faire un tel acte. Alors, ne réfléchissez même pas à le faire. Juste, ne le faites pas. D'accord, les copains? D'ailleurs, le timer me dit qu'on a atteint les 20 minutes. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on sauvegarde. Bah, j'espère que cet épisode il vous a plu. Moi, ça me fait super plaisir de jouer de temps en temps à ce petit jeu. J'espère quand même finir le jeu avant 2028. Ça serait super sympa. Et bah, merci d'avoir regardé. Et je vous dis eh ben, à la prochaine.